Comment gérer finalement la peur du regard des autres? Parce que finalement, c'est ça. Hein. Finalement, quand quelqu'un est jaloux sur nous, quand peu importe ce qu'on fait ou quelqu'un va pas forcément comprendre ce qu'on va dire, c'est bien sûr en lien avec la peur du regard de l'autre. Et donc, déjà, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que tout le monde, en fait, a peur du regard de l'autre. Tout le monde, à des niveaux différents. Okay? Et ça a un sens. Parce qu'on vit en société. Et parce qu'on a évolué de telle façon qu'à l'époque, c'était impossible, en fait, de survivre si on était rejeté par les autres, si on était exclu du groupe. Donc pour survivre, on a appris finalement que le rejet, c'était dangereux. Et donc on a gardé ça en nous. Donc on est tous sensibles à ça. Maintenant, ça devient un problème quand... Et c'est un sens positif, parce que si je suis sensible au regard des autres, ça veut dire que je peux m'adapter dans une société où il y a des gens qui sont différents de moi, qui vont penser différemment que moi, et qu'on peut vivre tous ensemble, en fait. On peut vivre tous ensemble parce que on fait attention aux autres. Parce que quelque part, on n'est pas 100% à l'aise avec le regard des autres. Donc ça a un sens. Mais le problème, c'est quand ça nous bloque, quand on veut faire quelque chose d'important pour nous, et qu'on se sent bloqué parce qu'il y a des gens qui vont nous critiquer. Alors la bonne nouvelle, c'est que quoi que l'on fasse dans la vie, on sera toujours critiqué. Ça, c'est déjà une phrase sur laquelle on peut méditer, passer du temps, dormir dessus. Quoi que l'on fasse, on sera toujours, toujours, toujours critiqué. À l'école, j'essayais de rentrer dans le rang et de faire comme tout le monde, et pourtant j'étais critiquée par les autres. Pourtant, j'essayais de faire comme tout le monde. J'y arrivais pas, mais j'essayais. On est toujours critiqué, en fait. Et donc, dès lors que tu comprends ça, tu te dis, bah, même si je fais des choses qui vont correspondre aux autres, je vais quand même être critiquée. Peut-être un peu moins, c'est vrai, mais je serai quand même critiquée. Donc, au final, quel regard est le plus important? Celui des autres ou le mien? Avec qui je vais passer finalement le reste de ma vie? Avec soi-même. Avec nous-mêmes. Quand tu fermes la porte que tu rentres chez toi, que tu rentres avec ton mari, ou avec ta femme, ou avec tes amis, ou peu importe, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas le regard des autres. Ce qui compte, c'est toi, en fait. Pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens de ce que tu as fait qui est important pour toi. Et je vous donne un exemple qui est très concret par rapport à ça, puis je vais accélérer parce que je vois qu'au niveau du temps, on est un peu juste pour Élodie. Tu feras vite. Mais c'est vraiment intéressant, je regarde juste le nombre de... Ouais. Alors, du coup, c'est une histoire que j'ai vécue, que je vis en fait pour l'instant, qui n'est pas facile forcément à gérer, mais qui ressemble très fort à ce que tu expliques et qui ressemble forcément beaucoup à votre histoire aussi, hein, différemment évidemment. C'est que j'ai commencé en fait des cours de danse, des cours de Zumba il y a, je pense, 5 mois de ça. Et ben, j'arrive le premier jour de cours, je me suis dit ça va être super, voilà, je vais commencer un cours de danse, donc je me mets tout devant. Le cours se passe, j'étais très contente, je fais un deuxième cours, ça se passe bien également. Le troisième cours, Elodie vient avec, et là je me marre comme une folle en la voyant danser. Mais on s'amuse, je m'amusais bien et c'était vraiment chouette. Sauf que je sens dans la salle qu'il y a une femme. Parce que je ressens fortement les choses, qu'il y avait une femme en fait qui était devant aussi, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport à moi, sans pouvoir l'expliquer en fait. Et donc je descends au vestiaire et j'entends en fait cette femme crier, enfin crier j'exagère, mais qui parlait très fort en disant c'est inadmissible, je vais lui parler la prochaine fois, cette gamine elle a quoi 18 ans, elle se met devant, c'est pas possible. Et donc là je me dis ah, je pense qu'on parle de moi. Et donc, ce que j'ai fait, hein, Elodie était là d'ailleurs, j'ai été lui parler, parce que quand on parle si fort, c'est qu'on veut être entendu, et surtout, j'ai été lui parler parce que je ne voulais pas en fait que ça laisse des traces pour la suite des événements, ou quand j'y vais, on sent un malaise, et c'est terrible hein, dans une classe, hein. Quand on est dans une classe avec des gens, ou dans un travail, quand il y a un malaise comme ça avec quelqu'un à côté de soi, ça nous bouffe toute notre énergie, on est d'accord avec ça. On se sent pas bien, il n'y a même plus rien qui compte, même le cours en lui-même, on l'oublie tellement c'est désagréable. Donc, j'ai été lui parler. Et j'essaie de comprendre pourquoi elle était énervée en fait. Et elle me dit que, ben, en fait, ça fait 10 ans qu'elles sont là, que ça ne se fait pas de se mettre devant quand on est nouvelle, et que même elle ne se met pas à la place à laquelle elle aurait voulu se mettre. Et je vais vous résumer la situation parce que ça n'intéressera pas forcément tout le monde les détails, mais je lui ai fait comprendre que je ne bougerai pas de place en fait, et que la prochaine fois j'irai encore devant. Et que, grosso modo, il faut pouvoir aussi apprendre à être flexible dans la vie parce que notre place, elle ne nous appartient pas. Et souvent, quand on a des problèmes de place dans la vie, quand on a des problèmes, c'est souvent des problèmes de place. Où est ma place dans cette situation? Où est-ce que j'en suis? C'est souvent des problèmes de place. Et je peux comprendre qu'on veut, quand ça fait 10 ans qu'on est là, rester devant. Mais moi, en tant que
en tant que personne, je sais que si je me mets par exemple derrière, je vais apprendre moins vite. Je vais avoir moins de plaisir en fait à apprendre la danse. Parce que de fait, on apprend beaucoup mieux quand on est devant. Ceux qui sont devant apprennent en général beaucoup mieux. Peut-être pas ici, mais dans les classes, dans les cours en général. Parce qu'on est plus facilement corrigé par le professeur, etc., etc. Et donc là, c'est pas évident ce qui se passe pour moi. Parce que maintenant, j'y retourne hein, au cours. Et je peux vous dire que là, je suis peut-être occupée à me dire est-ce que je vais continuer ou pas, tellement c'est désagréable. Parce que moi, je veux continuer à être devant. Pas pour faire de l'ombre à l'autre, ça n'a rien à voir. Juste parce que je sais que je me sentirais mieux devant. Et que si je vais derrière, je préfère ne pas y aller, en fait. Donc c'est quoi, en fait, qui se passe ? Mais c'est le courage, simplement, de faire ce qui est important pour soi. Toujours en essayant de respecter les autres, évidemment, qui sont là, qui ont aussi leur place, qui ont aussi... pour qui c'est aussi important d'être devant ou de faire telle ou telle chose. Mais si, je ne peux pas penser aux autres en m'oubliant moi, en fait. Parce que sinon, je ne m'honore pas moi-même. Et quand je vais rentrer le soir, je vais être extrêmement frustrée. Alors, dans les deux cas, c'est difficile. Dans le cas où je me mets derrière et je suis frustrée, ce n'est pas évident pour moi. Elles seront très bien. Et dans le cas où je me mets devant, finalement, ce n'est pas évident non plus à gérer pour moi. Mais donc, c'est des choix à faire. Mais même si je me mettais derrière la prochaine fois, j'aurais quand même des critiques. Parce que j'ai osé faire ce qui était différent, en fait. Et donc, il y a deux choses par rapport à ça que je suis prêt à vous dire. Parce que là, je parle de votre situation à vous, quand tu parles à quelqu'un de quelque chose et que la personne n'est pas réceptive, bah, c'est d'apprendre à qui parler, en fait. De ne pas tout dire à tout le monde. Surtout quand tu as un projet qui te passionne, tu vois. Tu as un projet qui te passionne. Et tu en parles autour de toi, et tu vois que les gens, en fait, t'as comme un mur en face de toi, il y a des personnes qui te regardent pour dire « Ouais, ouais, mais t'es sûr, ton projet commence à te créer des doutes. » Et donc, autant t'as l'énergie quand tu en parles, autant tu es face à un obstacle qui arrive, et donc c'est très désagréable. Et ça, on apprend à le gérer justement en sachant à qui parler, tu vois. Mais quand on parle beaucoup, on aime parler tout le temps. Je sais, hein, je suis comme ça aussi. Sauf que des fois, on se rend compte qu'au final, on va perdre notre énergie. Mais le secret, hein, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est finalement c'est de se dire que... je dirais qu'il y en a deux, en fait. C'est que quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué. Donc c'est sûr et certain. Donc autant faire ce qui est important pour soi, dans le respect des autres qui nous entourent. En plus de ça, quand on fait ce qui est important pour soi, et qu'on fait des choses qui sont différentes, on ouvre le champ des possibles pour les autres aussi. Parce que bizarrement, la femme à la danse, elle faisait toujours une tête jusque par terre quand je la voyais arriver au cours de danse. Et après ce clash-là, bizarrement, je la voyais venir au cours avec un grand sourire, beaucoup mieux. Elle avait l'air beaucoup plus épanouie. Donc je me dis, peut-être que ça lui a fait du bien, au final, d'avoir cet accrochage. Parce que peut-être qu'elle se rend compte qu'en fait, c'était un peu ridicule de vouloir être toujours devant comme ça, ou de ne pas être flexible, ou qu'elle aussi, peut-être, ne s'autorise pas à faire des choses dans sa vie, en fait, parce que on dit que, ou parce que c'est marqué quelque part, enfin, ça se fait ou ça se fait pas. C'est vraiment le courage d'être soi-même. Et parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais des fois, on a peur de réussir, d'être en lumière pour ça, en fait. Parce qu'on sait que réussir, donc être, entre guillemets, dans la lumière, ça veut dire que ça fait parfois contraste avec les gens autour de nous, qui n'ont pas une vie qui les inspire. Parce qu'être jaloux, c'est une chose. Hein. On peut envier dans le sens positif en se disant « j'aimerais bien moi aussi atteindre ça » sans être jaloux de la personne. Mais souvent, comme on pense que ça va aussi pour nous et que pour nous, c'est différent, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va jalouser, on va simplement être aigri, en fait, par rapport aux autres. Mais encore une fois... Si demain tu te mets dans la rue, tu te dis je vais me mettre dans la rue, vivre dans la rue pour ne pas que les gens me jalousent, tu te rends compte des gens qui vont te jalouser, tu vois. Et c'est ça qu'il faut juste prendre conscience. Et dès lors que tu vois, par exemple, avant de faire... Là, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube sur YouTube, du coup, et j'ai 17 000 abonnés. Et je suis passée de 300 abonnés à 15 000 en 6 mois, parce que j'ai fait l'interview qui était virale, donc c'est assez impressionnant. Mais avant d'être sur YouTube, avant de commencer à faire des vidéos, en fait, je savais que je devais être prête à la critique et au rejet. Parce que c'est inévitable. On ne peut pas s'exposer en public, faire des vidéos sur YouTube. En fait, on ne peut pas donner ses idées en public sans être confronté à la critique, au rejet, mais aussi au soutien et à l'amour. C'est les deux, en fait. C'est les phases d'une même pièce. Donc autant en fait tu as des gens qui vont te critiquer, autant il y a des gens qui vont t'adorer. Comme moi je t'adore, tu le sais. Donc c'est vrai. Donc du coup on est confronté aux deux et les deux ont un sens pour nous pousser en fait
à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que quand c'est trop facile, ça ne nous pousse pas, en fait. Tu vois ? Par contre, quand on a des critiques, parfois, ça nous renforce dans l'idée que, bah oui, c'est bien ça que j'ai envie de faire, ou oui, c'est... Non, moi, je pense que c'est juste. Donc, ça renforce l'amour que tu as pour toi. Donc, c'est vraiment une question de perception des choses, comment je veux voir les choses. Est-ce que je vois ça en tant que victime en me disant, bah, c'est difficile, et je ne dis pas que c'est facile, hein, loin de là. Hein. Ou alors, est-ce que je me sers de cette situation pour, en fait, en rechercher le meilleur et me pousser, finalement, à m'aimer davantage et à être davantage à l'aise avec moi-même, en fait. Parce que c'est inévitable. On sait. Et de fait, hein, moi, sur Internet, je reçois parfois des critiques. Des fois, elles ne sont pas censées, donc je ne les regarde même pas, je les efface. Des fois, c'est des choses un peu plus méchantes, on va dire. Mais ça fait partie de ça. On ne peut pas espérer l'un sans l'autre. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Il ne faut pas avoir une chaîne YouTube pour ça. C'est dès lors qu'on veut faire des choses qui sont importantes pour nous, ben oui, on sera confronté à ça. D'ailleurs, par curiosité, qui ici est confronté à la critique, au rejet, ou à se sentir différent, ou à ressentir qu'on est... Non ? Pas tant que ça ? Levez une fois bien la main, je vois. Ah oui, quand même. Tout le monde. Quasiment tout le monde. Donc, ben c'est bon signe. C'est bon signe, parce que ça veut dire que vous faites ce qui est important pour vous, malgré tout. Si ce n'était pas le cas, je vous assure que si vous ne faisiez pas ce qui était important pour vous, ça, vous le sentiriez beaucoup moins, en fait. Donc c'est bon signe. Mais je vais terminer là-dessus par rapport à ça, pour pouvoir laisser la parole à Élodie, ma chère Élodie, qui est quand même venue pour intervenir. Ce que j'ai envie de terminer par vous dire par rapport à ça, c'est que les gens qui ont marqué le monde... Alors, peu importe qui c'est, les gens qui nous inspirent, qui ont marqué le monde, je peux prendre des personnes comme Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, ce sont tous des gens qui sont avec une forme d'amour assez élevée, hein, de gratitude assez élevée. Mais est-ce que vous pensez qu'ils aiment la critique et le rejet ? Ils sont au-dessus de ça. C'est-à-dire que, en fait, ils ressentent la critique et le rejet comme tout le monde. Personne n'aime être critiqué. Personne. C'est agréable pour personne. Mais leur voix de l'intérieur est plus forte que la voix de l'extérieur, tu vois. Donc c'est ce qu'ils veulent accomplir est beaucoup plus important en fait que ce qui va se dire autour. Un très bon exemple par rapport à ça, c'est la jeune fille pour l'instant qui s'appelle Greta, je connais pas son nom de famille, qui a comment ? Thunberg, quelque chose comme ça, qui a 16 ans, qui est occupée à faire des choses qui sont tout à fait inhabituelles pour une fille de son âge, etc. Je ne sais pas pour rentrer dans les détails de ça, parce que ce n'est pas très important, mais ce qui est fou, c'est que quand on voit les critiques en dessous des vidéos qu'elle poste ou autre, elle est critiquée énormément. Alors est-ce que cette fille-là, elle n'est pas sensible à ça, et est-ce que ça lui fait du bien de voir toutes ces saloperies sur elle ? Bien sûr que non, à qui ça fait du bien ? Mais ce qu'elle veut accomplir est tellement plus fort que ça, qu'elle le fait en fait. Et quand vous avez ça, hein, vous êtes sûr de réussir quoi qu'il se passe. Quand vos voix intérieures sont beaucoup plus fortes que vos voix d'extérieur, que les voix de l'extérieur, je vous assure que vous avez tous les ingrédients pour réussir. Et je pourrais même vous garantir que vous allez réussir, en fait. Donc, ça répond à votre question ? Du coup, ça m'amène, on va le faire en rapide, le courage d'être soi-même en toutes circonstances. Donc c'est vraiment ça en fait, le courage d'être soi-même en toutes circonstances. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que, et c'est pas péjoratif quand je dis ça en disant qu'on n'est pas courageux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce sur quoi j'accompagne les gens, c'est sur le courage en fait. Hein. Donc d'appuyer sur les bons leviers pour révéler le courage chez les personnes, pour les aider à vivre la vie qui les inspire. Et on a tous du courage en nous, et c'est certain, il faut juste appuyer sur les bons leviers. Donc c'est vraiment important de développer ça, et je dirais que c'est même ce qu'il y a de plus important à développer, parce qu'au final c'est ce qu'on a le plus de mal à faire quand on est en société, quand on est avec les autres. Bien souvent on porte un masque social, et encore une fois ça a un sens de l'avoir porté parce qu'on nous l'a appris comme ça. Mais si on porte un masque social, on peut pas se sentir vraiment épanoui à l'intérieur, parce que si je suis aimée pour ce que je ne suis pas, pour le masque, je ne suis pas aimée en fait. Si je suis aimée et appréciée parce que j'ai des choses agréables aux personnes, mais que dans le fond, je ne les pense pas, ou que ça ne les aide pas, c'est pas vraiment moi qui ai aimé à 100%. Donc dès lors qu'on est soi-même avec les autres, ben finalement, on arrive à se sentir beaucoup mieux et à être aimé par les bonnes personnes et à rejeter les bonnes personnes. Et encore une fois, on ne pourra pas faire l'impasse de ça. On va attirer les gens dans notre vie,
et on va en repousser. C'est naturel, c'est comme un aimant en fait. On attire et on repousse au même degré. Au même degré.